الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبه للعلماء وزير غابر زوق والشيخ ناير، بيان دو غوميرسيون تو دابور الله. الله تبارك وتعالى، الله مكرم، الله ميزيريكوردي. الله سبحانه وتعالى كي دونا شانس التوفيق دو فينيغ ايسي ان سو ديمانش ابريدي، ديرنييي ديمانش دو موا دو رمضان. Et c'est pour cela que j'ai essayé de ne pas être très très long. Un, moi, il n'y a pas être très très long. Et deux, c'est que le dernier dimanche du mois de Ramadan, eh bien, c'est le dernier sprint pour essayer d'atteindre ce fameux objectif-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est la taqwa. Et le Maghrib. Et donc, essayer avant Maghrib. Avant Maghrib de sortir, d'arriver à Maghrib, eh bien, en étant muttaqi et en ayant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. فليس الله سبحانه وتعالى بذلك الوجهتك بلا تقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعلى موضوع البالي وديبير سبحانه رمضان لعلكم تتقون. أفاك بفيسي أبوار لا تقوى. لا كيبتك. نقول السؤالك الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى بذلك الوجهتك سيكو أسوريمان ست الوجهتك لا إلي أتنيان. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aurait pas dit de devenir pur. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aurait pas dit, eh bien, d'avoir la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'atteindre la taqwa, c'est que quelque part c'est possible, c'est jouable, dans une voie de l'autre. Deuxième objectif, quelque part, de ce mois de Ramadan, c'est la tawbah. Que nous puissions être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est même pas un objectif, c'est quelque chose qui arrive obligatoirement. Ça, c'est quelque chose qui arrive obligatoirement. C'est comme si quelqu'un il rentre pendant le mois de Ramadan et il dit que mon objectif à moi c'est de me faire pardonner, c'est que c'est un petit joueur. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un restaurant, on lui demande qu'est-ce que tu veux manger, et dit moi je veux du ketchup mayo. Ketchup mayo ça se commande pas. Le ketchup mayo il arrive automatiquement avec le kebab. Mais non. D'accord ? Le ketchup mayo ça se commande pas, c'est un petit joueur, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas compris. Quelqu'un qui arrive et qui dit je veux du ketchup mayo. Il faut commander le kebab, ketchup et salade. Si on a visé la taqwa, mais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala s'arrive automatiquement. D'ailleurs, dans un hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que je cite ça? Hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, un jour, il était en train de monter sur le minbar. En train de monter sur le minbar, hadith très connu, vous connaissez. Jibril alayhi salatu wa sallam, il débarque, il dit des choses. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amin. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amin. Après, Sahaba, il voyait pas Jibril, il voyait pas l'ange Gabriel, il voit le prophète d'Allah, le premier dit Amin, deuxième Amin, troisième Amin. Après Namaz, eh bien, le Sahaba a dit Allah, Ya Rasulallah, aujourd'hui on t'a vu faire quelque chose, on n'a pas l'habitude de voir, qu'est-ce que t'as fait, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce qu'on a dit Amin? Le prophète d'Allah, il dit Jibril, l'ange Gabriel, il est venu nous voir, il a fait trois baddu'a. Il a fait trois invocations contre trois catégories de personnes. Bon? Eh bien, c'est quoi ces invocations? C'est quoi ces catégories de personnes? Parmi les catégories de personnes, il y en a une, c'est celui qui laisse en ce sens, celui qui laisse passer le mois de Ramadan sans réussir à se faire pardonner, malheur à lui. Malheur à cette personne que le mois de Ramadan n'est pas capable de se pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama nous disent, vous savez, ne pas dire que eh bien, malheur sur le tout, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, nous montre, eh bien, quelque part la facilité de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan. Comment est-ce qu'Allah il pardonne? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne? Comment est-ce que le mois de Ramadan, ensuite les 10 derniers jours, le mois de suite, les 4 les 10 derniers jours, ensuite les ados, les 21, 23, il a toujours ce petit truc en plus pour le 27, que quelque part, à chaque fois, et ensuite les ados, la paix de l'Aïd, et ensuite le jour de l'Aïd, et bien quelque part, vous les pardonnez par Allah subhanahu wa ta'ala. Pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le mois de Ramadan. Je voulais eh bien, conclure ces programmes de ce mois de Ramadan là, par un sujet spécifique, le sujet de tazkiyatun nafs.
le sujet qui touche au cœur. Tazkiyat an-nafs, c'est la purification de l'âme, purification du cœur, purification de l'intérieur. Il y a un élément en nous, il y a un élément en nous qui est vital. Cet élément-là, il est vital, tant sur le plan physiologique que le plan spirituel. C'est ce qu'on appelle le qalb. Le qalb en arabe, on va le traduire par le cœur en français, le qalb. Cet élément-là, il est vital. Cet élément-là, il est vital dans le sens, si on reprend le sens médical, c'est que depuis le début, même avant la naissance, vous savez, la maman, elle écoutait le cœur de son enfant monitoring, même avant la naissance, le cœur, il se met à battre. Le cœur, il se met à battre même avant la naissance. Ce cœur-là, il va se battre. Ce cœur-là qui est sur le côté gauche de notre poitrine. Ce cœur-là qui fait à peu près 12-15 cm. Ce cœur-là, il pèse à peu près 325 grammes. Ce cœur-là, ce petit bout de chair-là, qui va pomper le sang en 70-80 fois, eh bien, le sang dans le corps humain à la minute, eh bien, ce cœur-là, il est vital. Ce cœur-là, il est vital dans le sens où il ne s'arrêtera jamais. Jusque quand on va rester vivant? Jusqu'à ce que le cœur batte. À partir du moment où le cœur arrête de battre, eh bien, on cesse d'être insane, on cesse d'être un vivant, on devient un maïdet. On devient un maïdet, on devient un janaza, on devient un défunt. À partir du moment où le cœur y arrête de battre pendant quelques instants, il essaie de rebattre, il ne vient pas rebattre, il vient de bien. Ce qui fait que la différence entre le mort et le vivant, c'est justement le battement de ce cœur. Le cœur, là, sur le plan médical, il n'arrête jamais pas. Lui, il est vital. Dès qu'il arrête de battre, eh bien, il arrête de vivre. Il n'a point. Il n'a pas de vacances. J'arrête de dire vacances. Il n'a pas de vacances, il n'a pas de temps de repos, de nuit comme de jour. Quand il dort, quand on est réveillé, le cœur ne continue pas. Ce qui est différent de tous les autres organes et tous les autres membres du corps. Quand il dort, eh bien, le pied se repose. Même l'esprit se repose. Le cerveau se repose. Tout ça se repose. La bouche se repose. Les yeux se reposent. La gorge se repose. Tout ça se repose. On a des moments où l'estomac se repose. On a des moments où le foie se repose. Tous ces organes, tous ces membres, parfois on dit vitaux. Eh bien, ça va se reposer. Le cœur humain, il se repose chaque fois. Le cœur humain, il est toujours en action. Ça, c'est sur le plan médical. En ce qui concerne, eh bien, son plan spirituel, le qalb. Le qalb, c'est exactement la même chose. Le qalb, c'est la chose vitale dans le corps humain. Le qalb, le cœur. Le qalb, eh bien, c'est de le cœur spirituel. C'est cet élément-là, ce qalb-là, qui va influer sur la raison humaine. Les ulama nous disent que qu'est-ce qui va définir notre plan d'action? Qu'est-ce qui va définir la politique globale, spirituelle de notre personnalité? C'est le qalb. Regardez, tu m'as dit, votre politique à long terme. Qu'est-ce qui va définir les grands? C'est le qalb. C'est le cœur. C'est au niveau du cœur que va siéger la volonté. Le cœur va décider. L'esprit, le cerveau, eh bien, va mettre, on va mettre en musique, eh bien, va décider comment faire, va planifier tout ça, et les membres et les organes vont exécuter. Et qui est-ce qui va diriger? D'où est-ce que va partir la décision, la volonté? Eh bien, c'est le cœur. C'est le cœur. Faut pas se tromper, hein. Parfois on dit que c'est de la tête que parle les... Non, non, non. C'est du cœur que parle des volontés. Il y a des choses que dans le cœur on voit, et il y a des choses que dans le cœur on voit pas. Au laboratoire, on va voir le sang qui va sortir, qui va partir, etc. Il y a des choses qui ne se voient pas. Malgré tout, on y croit. Malgré tout, on y croit. C'est pour ça que les ulama nous disent que le cœur, là, ça donne un nom. Malik Muta'a. Al-Malik Al-Muta'a. Al-Malik, c'est le roi. Al-Muta'a, c'est obéi. C'est le roi obéi. C'est le roi qui est obéi par le cerveau, par le heart. C'est le roi qui est obéi par les membres, par les organes. Ce sont des choses qui sont entièrement soumises au contrôle du qalb. Au contrôle du cœur. C'est du cœur que vont partir, encore une fois, je le répète, les décisions et les volontés. Et cela va bien dans le sens de ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous exprime dans le hadith très connu. Le hadith très connu qui dit en substance que, eh bien, dans l'organisme, il y a un morceau de chair. Il y a un morceau de chair, tel que son caractère se reflète à l'échelle du corps entier. Si il a si ce morceau de chair-là est sain, eh bien le corps entier est sain. Et si ce morceau de cœur, ce morceau,
ce morceau de chair. Et bien, Fasad, c'est ce morceau de chair-là est corrompu. Et bien, c'est le corps entier qui se retrouve affecté négativement. Et c'est quoi ce morceau de chair-là? C'est le qalb, c'est le cœur. En ce sens, le prophète d'Allah, c'est le cœur qui génère. C'est le cœur qui décide. Si le cœur est bon, le corps entier ne pourra être que bon. Si le cœur est mauvais, eh bien le corps entier ne pourra être, que mauvais. Bien, de façon plus intime, plus spirituelle, c'est le qalb, c'est le cœur qui va conférer aux actions humaines leur dimension réelle et profonde. C'est le cœur qui va donner l'orientation éthique, morale et spirituelle à la volonté et donc il finit des actions. Je répète, c'est le cœur qui va donner à la volonté et aux actions eh bien, une orientation éthique, morale et spirituelle. Et donc, c'est pour ça que eh bien, le cœur a toujours été, à travers le temps, a toujours été eh bien, l'objet d'une attention particulière de la part des ulama et de la part des anbiya alayhi wa salatu wa salam. De la part des prophètes alayhi wa salatu wa salam, d'abord et avant tout, et ensuite de la part des ulama, le cœur. Allah عليه وسلم nous dit dans le hadith إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى سوركم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى سوركم. Que certes Allah, eh bien, il regarde pas vos corps. Allah ne regarde pas vos visages. Allah سبحانه وتعالى quelque part qui va intéresser entre guillemets. Allah سبحانه وتعالى ni vos corps. Ni vos visages, ni vos beaux vêtements, ni vos visages. Voilà qui yamzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala va regarder vos cœurs et donc in fine vos actions. Vos cœurs et la traduction des cœurs, la traduction des volontés qui naissent des cœurs, et bien ce sont les a'mal salih. Ce sont les actions. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va regarder. Et lorsqu'on va s'intéresser à ce cœur-là, lorsqu'on devient conscient du rôle spirituel essentiel de qalb, on va appeler qalb pour le plan spirituel, on va appeler cœur pour le plan physiologique et médical. C'est la même chose, c'est la traduction. Le qalb, lorsqu'on est conscient du rôle essentiel du cœur, eh bien on réalisera qu'il est fondamental d'agir de façon constante pour le préserver ce qalb. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur humain, eh bien il est toujours en action. C'est-à-dire, agir, mais on meurt. Il faut savoir que le qalb spirituel, c'est exactement la même chose. Il y a des a'mal du corps. Il y a des actions du corps. Et il y a des actions du cœur. De la même façon que les actions du corps sont obligatoires, c'est quoi les actions du corps? Namaz, la salat, la prière, ça c'est action du corps. Sadaqa, Hajj, Ramadan, action du corps, action de la langue, action des membres et des organes. Tout ça, c'est obligatoire, d'accord? Mais on a aussi des actions du cœur. Et il y a deux grandes différences. La première différence, c'est que les actions du corps, parfois il faut faire, parfois il ne faut pas. La main n'est pas obligatoire, 24 sur 24. La salah, elle est obligatoire à certains moments. Quand il dort, on fait la main. D'accord? On n'est pas pécheur lorsque là, à ce moment précis, je ne fais pas la prière. Je ne suis pas pécheur. Parce que, eh bien, on a besoin de faire la prière à certains moments précis. D'accord? Les actions du corps, première différence, c'est qu'elles ne sont pas permanentes. Les actions du cœur sont quelque part permanentes. Ikhlas, action du cœur. Ikhlas, action du cœur, la sincérité, le fait de faire chaque chose pour Allah et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas avoir un moment donné de notre vie et occulter Allah, enlever Allah de notre cœur et dire que ça n'est fait pour autre chose qu'Allah, rien d'Allah. C'est ça qui s'appelle le shirk. Et donc, ces actions du cœur-là sont constantes et sont importantes. Se doivent de rester là. Et on se doit de travailler sur notre cœur afin que justement, eh bien, nous puissions arriver à cette constance du cœur, à cette constance que les ulama nous disent, à cette constance positive du cœur. À chaque instant de ma vie, de mon cœur naissent des volontés positives. Et que de mon corps, ensuite,
traduit, mon corps ensuite traduit ces volontés-là et fasse les bonnes actions, Allahu a'lam bissawab. Donc je disais que lorsqu'on a conclu le relation avec le qalb, eh bien, tout l'objet, ce ne sera pas tout l'objet de parfois ce qu'on appelle la réforme spirituelle, la réforme spirituelle de l'intérieur, eh bien c'est cela. Et le concept s'appelle islah. Le concept s'appelle islah al-batin, la réforme intérieure, la réforme du cœur, la réforme spirituelle, changement spirituel. Le fait que, eh bien, mon cœur puisse petit à petit devenir ferme, accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment faire le chemin, les exercices qu'on a? Eh bien, c'est ce qu'on appelle parfois tazkiyat al-nafs. Tazkiyat al-nafs, la purification de l'âme. Je fais la tazkiyat al-nafs pour mon islah. Je fais la tazkiyat al-nafs pour mon islah, pour pouvoir, pour faire en sorte, eh bien, que je devienne, pour mon cœur devienne, de mon cœur naisse de bonne volonté, de bonnes intentions, et qu'elle ne soit pas. Et ce qui va faire en sorte que dans le cœur, on a juste un petit peu moins d'une heure, on n'a pas le temps de faire tous les concepts en détail. Aujourd'hui, c'est une séance d'introduction, une séance d'introduction. Mais une introduction, les rabbins vont faire dans plus tard, une introduction de ce concept-là, de ce sujet qu'est la tazkiyat al-nafs. C'est quoi tazkiyat al-nafs? On va voir des appellations, on va voir la définition, on va essayer de délimiter le sujet, et on va essayer aussi de voir les dérives. D'accord? Et enfin, Inch'Allah, en séance, on va voir les outils qu'on a à notre disposition pour cette tazkiyat al-nafs. D'accord? Voilà tout ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Vous allez, subhanahu wa ta'ala, considérer ça comme une introduction. Ce que je disais donc, c'est que on a cette tazkiyat al-nafs. Cette tazkiyat al-nafs là, eh bien, ça doit se faire. Ça doit absolument se faire. Je dis qu'il y avait deux différences. La première différence, c'est que les actions, les armas du cœur, elles sont permanentes. Les armas du corps ne sont pas permanentes. Deuxième différence, c'est que quelque part, on peut comprendre que les deux sont obligatoires. Les deux sont obligatoires. On va prendre l'exemple de la masse, salat et de l'ikhlas, c'est la sincérité. Les deux sont obligatoires. Si on n'a pas de sincérité, problème. S'il ne fait pas la masse, problème. Mais de l'autre côté, on peut dire que qu'est-ce qui va impacter l'autre? Eh bien, c'est le cœur qui va impacter le corps. Essayez de bien comprendre. C'est le cœur, c'est du cœur que va, où vont naître les volontés, les décisions du corps. Les actions du corps, quelque part, entre guillemets, ne sont que les traductions des volontés qui naissent du cœur. Vraiment, tout à l'heure, dans la limite, il ne veut pas dire que nous devons dire que le cœur est compte, hein, il n'y a pas besoin de faire la base. C'est surtout pas ça. Mais si on se doit de mettre une espèce de... Eh bien, le hadith du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est assez clair. C'est le cœur qui est, qu'on va traduire par Al-Malik Al-Mutar. Al-Malik Al-Mutar, le roi qui est obéi. Très bien, on continue. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer les principales responsabilités du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam est terminé avec différents jobs. Il y avait une lettre de mission quelque part, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'était pas comme la lettre qu'on connaît. Qu'est-ce que le prophète d'Allah est venu faire sur terre? Le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, on sait, il est venu enseigner aux gens les tawhid. Il est venu enseigner aux gens Allah. Il est venu introduire aux gens, voilà Allah, et voilà le chemin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs endroits, par exemple dans la dua d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, et à d'autres endroits, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la dua d'Ibrahim, il va introduire, il va nous présenter les missions du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmah. Quatre missions principales du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le temps de les faire en détail, je vous le donne juste comme ça. Quatre missions du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Eh bien, un, c'est transmettre le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner le Coran par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wa sallam au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salatu wa sallam, il dit à Rasulallah alif lam mim. Le prophète s'est dit alif lam mim. Zalika al-kitab la rayba fih. Zalika al-kitab la rayba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Là-dessus, la mission du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. C'est transmettre le Coran comme il l'a reçu. Transmettre le Coran. Mission du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième mission du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le désordre. Hein? Parce que dans certains versets, eh bien, c'est dans l'autre sens. Deuxième mission du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa yu'allimuhum al-kitab. Un, on a enseigné le livre.
Un, on a enseigné le Coran. Deux, eh bien, c'est enseigner le sens du Coran. Enseigner le sens du Coran. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le mufassir du Coran. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous enseignait le Coran. Trois, hikmah, enseigner la sagesse. Les ulama nous disent que la sagesse, comprenons-nous à notre niveau, que c'est la sunna. La sunna, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez fait la masse, comment il fait la masse, en regardant la sunna. Et dans la sunna, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner quelque part le mode de vie que veut pour nous Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire ça comme ça. Et quatrièmement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi venu, eh bien, pour purifier les gens. Pour purifier les gens. Lorsqu'on dit purifier là, c'est pas la purification extérieure, c'est pas vos eaux au sol, c'est la purification intérieure, qui est une des missions du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama nous disent que les trois premiers éléments dont j'ai parlé, Coran, enseignement du sens du Coran, etc., eh bien, c'est la théorie. Quatrième élément, c'est la pratique. C'est la pratique. Que pour être un bon médecin, il faut apprendre dans les livres. Et ensuite, eh bien, il faut qu'on passe 3, 4, 5 ans, et bien en internat, il faut qu'on aille pratiquer, eh bien, tout ce qu'on a appris. Vous voyez, la tête qu'il y a quelque part, eh bien, c'est pour essayer, c'est toute la partie pratique de la théorie qu'on a vu pour voir. Tête qu'il y a, il y en a d'autres noms. On utilise d'autres noms pour le mot tête qu'il y a. Parfois, c'est tasawwuf. Parfois il appelle ça tariqa, parfois il appelle ça soulouk, parfois il appelle ça, en français comment il dit, soufis. Le soufis c'est un mot qui est parfois un peu péjoratif, hein. Un mot qui est dévoyé, pourquoi? Parce que ça a été sali par des pratiques un peu bizarres. C'est la nouvelle danse avec le soufis. D'accord? Nous ce qu'on va considérer, nous, c'est pas le terme qui compte, c'est pas la terminologie qui compte, mais que renferme ce terme. D'accord? Parce que si les gens ils font n'importe quoi, les gens ils vont faire n'importe quoi dans l'islam, c'est-à-dire ça c'est l'islam. C'est pas pour autant qu'on va rejeter l'islam. D'accord? Parce que sinon, depuis très longtemps, on aurait rejeté l'islam avec tout ce qui court actuellement. D'accord? Allahu musta'an. Là pareil. Ce n'est pas parce que les gens font n'importe quoi au nom de la tête qu'il y a, au nom du soufisme, si vous voulez utiliser un terme en français, nous on va préférer purification de cœur. Mais si vous voulez soufisme, ça ne me dérange pas. À condition, eh bien, peu importe la terminologie, à condition de bien comprendre le concept et les fondements. Et pour cela, on ne pourra pas faire l'économie de l'explication. Souvent, en islam, eh bien, les termes sont utilisés à tort ou à travers. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui jouaient Call of Duty. Vous savez, hein, Call of Duty, c'est comme ça, Call of Duty sur le PSP. Hein? Et il y a des jeux de l'ordinateur, d'accord. L'ordinateur, il joue les jeux vidéo. C'est un jeu que, subhanallah, à chaque fois que tu regardes de loin, en fait, tu es à ta vue. Tu es debout de loin. Moi, j'étais un. Tu es à ta vue de loin, d'accord. Subhanallah. Hajib, le jeu, on est même élargi quand on regarde de loin. C'est ça le jeu. Et les gens qui, subhanallah, on a vu, ben, les jeux, ça. Et ben, les de reproduire ça dans la vie réelle. Au nom de l'islam. D'accord. Tu es debout. D'accord. Et donc il faut juste mettre une espèce d'idéologie autour de ça. Alors regardez, le prophète s'appelle le djihad. Il a dit qu'il faut battre contre le kuffar. Nous aussi nous le faisons pareil, et donc on n'a pas battu le djihad. D'accord. Il va prendre une terminologie islamique et va mettre dedans ce que nous aimons bien faire, ce que nous voulons faire. Tuer les autres. Et donc mettre un bon bar là. Va aller tuer de mon à droite, à gauche, dans un concert, etc. Au nom du djihad. Au nom du djihad. Une terminologie islamique, et dans ce concept-là, on va faire complètement n'importe quoi. D'autres vont philosopher, et vont dire que moi, eh bien, je philosophie dans un coin de ma tête, je philosophe, et je vais appeler ça ijtihad. Ijtihad, c'est ijtihad en islam, et donc je pense que l'islam doit nous dire ceci. D'accord? On a des termes en islam qui existent, et toujours bien poser le cadre, toujours bien expliquer le terme Allahu a'lam, notre forme. Cette qui est ton donc, c'est une mission majeure du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on a bien compris. Tazkiyah. Tazkiyatun-nafs. Littéralement, le terme tazkiyah vient de la racine arabe tazkiyah. Tafri. Zakawa. Pour les arabes. Zakawa.
Zakawa, Zakaya plus tard, ça veut dire deux choses. Lorsqu'on regarde, là, en arabe en fait, contrairement au français, chaque mot vient d'une racine. D'accord? Et le racine, il va porter un sens qui va se retrouver dans les dérivés. Tazkiya, c'est un dérivé de Zakawa. D'accord? Le mot Zakawa, en lui-même, intrinsèquement, il va porter deux sens. Le premier sens, c'est nettoyer et purifier quelque chose de sale. Le premier sens, c'est nettoyer et purifier quelque chose de sale. Et deuxième sens qu'on va retrouver dans Zakawa, eh bien, c'est augmenter et accroître. Le sens d'augmentation. Augmenter et accroître. Dans la terminologie de la spiritualité musulmane, il est question de tazkiyatun nafs, de la purification intérieure qui, elle aussi, le terme zakawa, eh bien là aussi, est porteur des deux connotations évoquées. Pas seulement dans la spiritualité, hein. Le mot zakat, zakatul mal. Zakatul mal aussi, il vient de zakawa, zakat. Il vient de zakawa. Et là-dedans aussi, nous avons les deux sens. Zakat, lorsqu'on nous donne zakat, eh bien nous nettoie, nous purifie notre bien. D'accord ou pas? On va purifier le bien qui reste. Et de l'autre côté, ben, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter et va accroître nos richesses. Va augmenter, va accroître nos richesses. D'accord? C'est ce qui est de neuf pareil. Ça a les deux sens. Premièrement, c'est nettoyer et purifier son âme des maladies et des défauts qui affectent, qui nous affectent. L'âme, le cœur, pour l'instant, on va l'assassiner. D'accord? Nettoyer et purifier son cœur des maladies et des défauts qui affectent ce cœur. Et deuxièmement, de nourrir son âme. De nourrir son âme en augmentant l'accomplissement du bien et des bonnes qualités. En augmentant l'accomplissement du bien et des bonnes qualités et en renforçant ainsi son pouvoir immunisant pour se protéger contre l'influence de Shaitan. On va se protéger. On va se monter une armure, on va se construire une armure à travers la tazkiyat al-nafs, avec les outils de la tazkiyat al-nafs, le dhikr Allah, fréquenter le ulama, la sunna, etc., etc. On va se construire une armure pour pouvoir se protéger contre l'influence de Shaytan. Pourquoi je dis ça? Parce que, je disais tout à l'heure, voilà le qalb. Et du qalb, du cœur, vont jaillir les décisions bonnes ou les décisions mauvaises. La question qu'on doit se poser, qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va influencer ce qalb? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un jour, ou bien pour quelqu'un, il y aura de bonnes décisions, pour quelqu'un, il y aura de mauvaises décisions? Qu'est-ce qui va faire en sorte que... Pour les mauvaises décisions, on a le qalb. Eh bien, autour du qalb gravitent des éléments qui vont lui susurrer à l'oreille, qui vont lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. Premier élément qu'on a par exemple, eh bien, c'est ce qu'on appelle le nafs. Le nafs, c'est notre ego. Le nafs, c'est mon moi. Le nafs. Le nafs, très souvent, le nafs, eh bien, il va dire au qalb, regarde ici. C'est pas ça. C'est pas ça, non, oui. Le soir venu. Mais si c'est faux, le soir, c'est pas grave. C'est lui. C'est 19h30. J'allais dire 23h, mais bon. L'exemple ne passe pas par ici. On va prendre un autre exemple. Un jour, un matin, pour s'éveiller. Pour s'éveiller, il faut se réveiller. Il faut qu'on apprenne. Un peu tard, mais malgré tout, se réveiller. Par exemple, on se réveille à 4h, 4h30, 5h, on va se réveiller. À ce moment-là, on va se réveiller. Il faut se réveiller pour faire carrément. Et en plus, après derrière, la base déjà pour faire. À ce moment-là, eh bien, il peut y avoir une espèce de lutte interne. Une espèce de lutte. On a dit ça yin et yang. Une espèce de lutte interne. Il y en a une voix quelque part, il dit « Lève, pour les fachas, lève, pour faire carré, lève, en général. » De l'autre côté, on a une espèce de voix qui, alhamdoulilah, au 30e jour du mois de Ramadan, et s'est beaucoup estompé, mais il y a cette voix qui est encore là, miskine, qui dit « Là où ça lève, il faut là-bas, là où on gagne là-dedans. » Quand on gagne là-dedans, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on ne voit pas l'intérêt, on ne voit pas le bénéfice. Parfois, on voit le bénéfice de rester endormi, parce que je repose, je vais fatiguer. Donc c'est la politique du court terme. Mais comme le nas, toujours comme ça l'est. Et là, t'as raison, eh bien, avec cette politique du court terme-là, il va toujours mettre les bons points de l'autre. C'est le nas.
Le neuf, on va rentrer dans les détails, et moi dans l'alema, vous expliquez que le neuf, là, il a plusieurs étapes. C'est l'autre option ? Le neuf, il a plusieurs étapes. Le neuf qui va inciter. On va mettre ça là-bas. Le neuf qui va inciter au bien et au mal, eh bien, il a plusieurs étapes. Première étape, un neuf normal. Un neuf, le neuf, chacun d'entre nous, un neuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle au Coran. Notre ego. Notre ego. Le neuf normal, eh bien, son première étape, il est Ammara Bissou. Ammara Bissou. Un neuf, Ammara Bissou, c'est un neuf qui est incitatrice au mal. Que lui dit, râle envers le mal. Il râle envers le mal. Un neuf, Ammara Bissou, incitatrice au mal. C'est le neuf d'origine. C'est le neuf d'origine. Il est comme ça. D'accord ? Un neuf d'origine est comme ça. Si quelqu'un a commencé à travailler un petit peu sur son neuf, d'accord ? Il a commencé à travailler un petit peu sur son neuf. Il connaît que le neuf, il sait que le neuf va inciter mon cœur. Lorsque le neuf, il est Ammara Bissou, eh bien, on peut être sûr que le cœur va tomber dans le piège. Et que le cœur va prendre de mauvaises décisions et que derrière, mes jambes et mes pieds vont m'entraîner dans les mauvais endroits. Ma langue va dire de mauvaises choses. Mes oreilles vont écouter de mauvaises choses. Donc le neuf Ammara Bissou, eh bien, il va inciter au mal. On a aussi Allah Jalabar, Allah nous dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à faire des efforts. À commencer à faire des efforts et à commencer à bien faire des efforts. Il y a deux choses. Un, c'est faire des efforts et deux, c'est bien faire l'effort. Si quelqu'un fait uniquement l'effort, mais l'effort il est mal dirigé, l'effort il est mal fait, on n'aura pas de résultat. Et on sait qu'Allah, on n'aura pas de résultat. Je donne un exemple. Quand on était en Inde, je voyais des gens qui marchaient. Je voyais des gens qui marchaient. Ah, ben, ben, ils marchent. Ben, ben, ça va dans le blanc, je ne vais pas vous dire ça. Ben, dans le blanc, ben, ils marchent. Un jour, pourquoi est-ce qu'ils marchent? C'est quoi l'objectif? Et l'objectif, c'est de marcher. Il n'y a rien d'objectif derrière. Il marche sur le bazar, il marche sur le magasin. Non, non. C'est notre effort. La finalité de notre effort, c'est la marche. Mais là, on n'a pas compris qu'il faut faire l'effort. C'est un effort extra. Marcher toute votre vie, par exemple. Vous êtes à la semaine. On est marche toute votre vie, mais l'effort est mal dirigé. L'effort qui est mal dirigé sera contre-productif. Ne sera pas productif. Il faut faire l'effort, mais il faut faire un effort qui est bien dirigé. L'objet de la tasqiyat an-nafs, c'est justement ça. Faire l'effort, mais bien faire l'effort. C'est ce que vous dites, on a aussi Allah, alayhi. Alors il s'agit pour nous de faire l'effort sur ce nafs-là. Donc que nous connaissons que le nafs, il va influencer le qalb. On a le nafs. Deuxièmement, on a shaytan. Shaytan, shaytan n'est pas là, hein. Soit ça a été libéré, mais pour l'instant il n'est pas là. D'accord ? Pour l'instant il n'est pas là, mais on a shaytan. On a shaytan qui est là, qui lui aussi il fait tout. Il fait tout pour essayer de faire en sorte que tu pars vers le mal, que tu fasses le mal. Donc on connaît nos ennemis. On a d'autres ennemis, mais qui sont des sous-ennemis. Les mauvaises habitudes, le mauvais environnement, les mauvais amis, etc. Mais ce sont des sous-ennemis de ces deux-là, Shaitan et Nafs. D'accord, des sous-catégories. Mais les deux principales catégories, c'est celles-là. C'est elles qui vont influencer le Nafs négatif. De l'autre côté, on a les éléments qui vont influencer le nafs positivement. La charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va faire que le matin, Fajr, et puis on se réveille. Alors même qu'on a le nafs qui nous dit, comme ça, allez. Qu'est-ce qui va faire qu'on se réveille? Bien, on a la charia d'Allah. C'est ça, Allah. C'est-à-dire, nous entendons les vertus de la namaz. Nous connaissons que, eh bien, nous faisons la namaz, la tabiatu, à l'avertissement de l'autre côté. Tout ça, eh bien, ça va nous inciter au bien. Ça va rééquilibrer les choses. Ça va rééquilibrer les choses. Ensuite, Allah, eh bien, on a le nafs lorsque il a été dompté. Le nafs, lorsqu'il n'a pas été dompté, il est du côté gauche. Lorsqu'il est dompté, il est du côté droit. D'accord ? Un nafs sur lequel il faudra travailler. L'objet de la tasqiyat an-nafs, c'est aussi de travailler cette nafs-là et d'essayer de le dire. Donc je disais que première étape du nafs, c'est un nafs Ammara Bissou. Deuxième étape du nafs, c'est successif. Lorsqu'on a commencé à travailler un petit peu, eh bien on a un nafs qui devient Lawwama. Lawwama, il traduit en français par
rétrobatrice, je crois. D'accord? En gros, oubliez la traduction. C'est un axe que parfois, eh bien, un axe, pardon, lorsque nous faisons une bêtise, lorsque nous faisons une bêtise, eh bien, ce axe-là, un jour ou l'autre, c'est tout de suite après, ou bien quelques temps plus tard, quelque part, soit les retraites, soit un petit appel dans le cœur qui fait que tu n'aurais pas dû faire ça. C'est axe, l'envoi. C'est, on fait parfois le mal, on fait le mal. Allah nous a préservé, on fait les mauvaises choses. Mais dans la première étape-là, on fait comme des animaux. Nous, ça va, on s'en fiche complètement. D'accord? C'est la première étape. On n'a même pas ce petit truc-là qui fait qu'on regrette. D'accord? On nous fait. Deuxièmement, parfois, il fait, mais malgré tout, il y a un petit truc qui, un jour ou l'autre, bien travaillé, et bien emmené, va nous emmener jusqu'au tombeau. On nous a fait des bêtises. On a fait plein de choses, mais un jour ou l'autre, ça nous emmène dans le tombeau. D'accord? Et ensuite, lorsqu'on travaille bien, mais là, subhanahu wa ta'ala, on peut essayer d'accéder à cette troisième étape du nafs-là, eh bien, c'est nafs mutma'inna. Nafs mutma'inna, c'est le nafs qui est serein. C'est un ego qui est serein. Serein, ça veut dire quoi? Qui est serein sur les ahkam, sur les règles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ce nafs-là, deux éléments pour ce nafs mutma'inna. Nafs mutma'inna, c'est un nafs, eh bien, qui va m'entraîner vers le bien. Il va m'entraîner vers le bien, et deuxièmement, il est satisfait des lois d'emploi. Il est satisfait des lois d'emploi. Ce nafs-là est satisfait des lois d'emploi. Nous, en règle générale, malheureusement, eh bien, si on nous demande, on serait plutôt, dans l'ange de l'âme, on serait plutôt content de dormir, mais de l'être quand même, parce qu'il faut une fajr. D'accord? Ce nafs montma inna, eh bien, c'est que le matin, il préfère lever. Il préfère lever que dormir. Regardez le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le namaz, eh bien, c'est la fraîcheur de ses yeux. Sahaba radiallahu ta'ala, il dit que le namaz, il sent plus le mal. Il sent plus le mal, il ne sent pas le mal. Le namaz, ce qu'il dit, c'est son mi'raj. Namaz, c'est son mi'raj. Subhanallah, regarde ce que les ulama disent, parce que malgré lui, il y a ce troisième niveau-là. Ce nafs-là qui a priori, eh bien, il incite le mal, ils ont tellement travaillé sur ce nafs-là qu'il incite trop bien Allahu A'lam bi s-sawab. L'important de travailler sur ce qalb-là, sur cette tazkiya-là, et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'ash-shams wa duhaha, wa al-qamari idha talaha, wa al-nahari idha jallaha, wa Allah subhanahu wa ta'ala, il avait besoin de quelque chose d'important. Le Coran, d'important, du fait qu'Qasam. Nous n'avons pas le Qasam qui n'a pas le Coran, c'est le serment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait Qasam, il fait des serments. Il fait des serments sur des choses importantes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, duha, wal layli idha saja. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le Qasam sur des choses. Parfois, il fait un Qasam, deux serments, trois serments, d'accord? Plus, quatre, cinq. Une fois, un endroit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait 11 serments. Quelque part, si Allah subhanahu wa ta'ala fait des serments, c'est qu'il est en train de dire, oui, ça, écoute bien ce que je dis là, et c'est extrêmement important. Wal asr, par le temps, inna l'insan ala fil khusr, illa l'ladina amanu ala s-salihat wa tawassaw bil sabr. Un qasam, par le temps. Vous allez, attention, le qasam, vous comme il nous dit, plus le S de l'ongle là, et plus le datation est important, c'est une saison là. D'accord? Et Alhamdulillah, le fait d'agir, parce qu'il ne compte pas. Parce qu'en arabe, c'est pas 400, mais c'est 400. D'accord? Mais khair, Alhamdulillah. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va nous montrer. Et quelque part, les ulama nous disent que plus il y a d'éléments, plus c'est important. Eh bien, à un moment donné, Allah dit Washamsi wa duhaha. Washamsi wa duhaha. Walqadari idha talaha. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَخْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 11 fois, 11 قسم الله سبحانه وتعالى et ensuite qu'est-ce qu'il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا يعني كيف قال بليغ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا a réussi celui qui l'a purifié le nafs a réussi celui qui a purifié son cœur, son intérieur. Waqad khaba
Batman de ça et a échoué, celui qui l'a convaincu, tout simplement. La réussite, c'est, eh bien, dépend d'abord et avant tout de la purification de ce cœur. De la purification de ce cœur. Vous savez, lorsqu'on parle de Tazkia, je dis deux, je fais encore deux points et je termine, Inch'Allah. Lorsqu'on parle de Tazkia et Tazkia, Tazkia et Tazkia, il faut bien comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que c'est l'effort pour corriger son intérieur. Mais un effort fait correctement. Un effort fait selon la méthodologie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a deux dérives. On a deux grandes problématiques autour du concept de soufisme, de tazkiya, de soulou, de tasawwuf. Deux grandes dérives. Deux extrêmes. Ce qui fait que lorsqu'on va comprendre ces extrêmes-là, on va pouvoir comprendre quel est le soufisme matloub 'indallah. Quel est le soufisme qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux extrêmes-là, eh bien, mon Cheikh Ali Thani, rahmatullah, il nous en parle, et il a été relaté pour nous par Mufti Taqi Osman. Mufti Taqi Osman, rahmatullah, il dit que la certaine catégorie de personnes, les deux dérives autour du soufisme, c'est quoi? C'est qu'on a une certaine catégorie de personnes. Tout le monde pense, ils vont croire que l'islam, c'est uniquement les choses qui se voient. C'est uniquement la race. C'est uniquement ça. Et toute cette dimension intérieure, histoire, le cœur, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tout ça, parler de ça en islam, ce serait bid'ah. Ce serait bid'ah, c'est une espèce d'innovation et tout ça n'existe pas. Ça, c'est une dérive. Pensez ça, c'est une dérive. Parce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit tout à l'heure, a corrigé l'extérieur. L'extérieur aussi, hein. C'est important, hein. Ça a corrigé l'extérieur, mais ça a aussi corriger l'intérieur de Sahaba de Allah ta'ala. Il y a eu cette tazkiya. On ne peut pas, en étant objectif, occulter le fait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a travaillé sur l'intérieur de Sahaba de Allah ta'ala. On ne peut pas occulter ce fait. Ce n'est pas possible. Il faut être objectif et en étant objectif, on va comprendre que cette tazkiya, cette purification intérieure a existé à l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et c'est quelque chose de majeur en islam. Donc, première dérive, c'est nier l'existence même de ce concept de la tazkiya de tasawwuf. Deuxième dérive, c'est l'extrême inverse. Deuxième dérive, c'est les gens qui vont penser que la tazkiya, le tasawwuf, c'est une... Nous, on a dit que c'est une matière à part entière. D'accord? Eux, ils vont penser que c'est une matière à part. C'est un sujet complètement étranger à la charia. Je m'explique. Ils vont dire que lorsqu'on fait tasawwuf, lorsqu'on fait la tazkiya, on n'a plus à respecter les règles de base de la charia. Il y a des gens qui vont faire tasawwuf, qui vont faire tazkiya, mais qui vont se dire que nous, on est libérés des règles de la charia. Je m'explique. Vous mettez la base. On prend toujours, à chaque fois on prend l'exemple de la base. Fais la salat pour satisfaire Allah, etc., etc. Mais on a des règles. Les règles c'est quoi? Fajr fait 2 rak'at, plus 2 rak'at. Si un matin il est en forme, il fait 3 rak'at, eh bien ni 1, ni 2, ni 3 sera accepté par Allah. On est d'accord ou pas? Pourquoi? Parce que Fajr fait 2, Fajr fait 3. On se doit de respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout le deen, on se doit de respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune raison pour que dans la tête qu'il y a, on n'ait plus, nous, à respecter les règles de base de la charia, les règles du halal et les règles du haram. Il n'y a aucune raison de penser que dans la tête qu'il y a une nasse, quand par exemple, on a des gens qui se disent, je suis qui sont réalisés des charlatans des fois, et qui vont dire que moi, eh bien, je fais la tête qu'il y a. Moi, je purifie le cœur des gens. D'accord? Il faut bien faire la différence entre les bons et les mauvais. D'accord? Entre les macha'ir et ceux qui se disent macha'ir. Parce que, après, les gens, nous dit qu'il y a des gens qui disent que qui reçoivent parfois des sœurs et qui disent que eh bien viens, je vais te recevoir, je vais te traiter, etc. etc. C'est-à-dire Othmane, la question est claire. Est-ce que l'islam nous a interdit de rester toute seule avec une étrangère ou pas? L'islam nous l'a interdit. La personne qui fait ça, cher ou pas cher, faut juste comprendre que même le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. D'accord? Et donc on ne peut pas avoir des règles qui sont extérieures à la chaîne. On est toujours, en anglais, dit binded.
on est toujours dépendant des règles chariot. En gros, le fait de dire que les soufis sont dans une autre dimension et que de fait, ils vont adopter des actions mystérieuses, inconnues de tout le monde et inconnues de la chariot, c'est faux. Tout simplement. Ça, c'est faux. Mais parfois, je me dis, je vais faire du soufisme. C'est quoi le soufisme? Je tourne, jusqu'à ce que l'endroit allait décoller. Ça n'a jamais existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les derviches tourneurs, ça n'a jamais existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'action qui est haram. Nous ça va faire eh bien, une action qui n'est pas bonne et nous appelle ça soufisme. Et encore une fois, cela va faire que même les gens qui sont corrects, cohérents dans leur pratique du tasawwuf, eh bien ils vont être affectés par les... Vous savez, c'est comme aujourd'hui lorsqu'il dit quelqu'un pour faire la vie ou changer dans la finance. À cause de la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans la finance qui ont fait des bêtises. Et tout le monde qui travaille dans la finance aujourd'hui est quelque part affecté par les marges. Les marges sont affectées. C'est exactement la même chose. On a besoin de financiers. Malheureusement, on a besoin de financiers. D'accord? Subhanallah, pour la tête qui a été séparée, on a besoin des gens. Besoin de la tête qui a été place. On a besoin de machinariat. On a besoin d'un ulama. On a besoin. Subhanallah, l'image de tout le monde est écornée par les pratiques de certaines personnes. Il y a des gens qui vous disent on est dans ce office, et que c'est pas la masse. Ah non, nous on n'a plus besoin de faire la prière. Mais pourquoi ça? J'en ai mieux. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde noir, on sera dans un plaisir, parce qu'on est dans une autre dimension. Il y a des gens qui disent à leur mourir que nous ne faisons pas la masse. Pourquoi nous ne faisons pas la masse? Ils disent parce que la masse c'est pour se rapprocher d'Allah. Moi je suis proche d'Allah. Moi je suis proche d'Allah, pas plus besoin de faire la masse. Il y a des gens qui disent que maintenant il y a une espèce de ilm, le concept n'existe pas en islam. Un ilm. Notre ilm, la connaissance que nous n'avons pas. La connaissance que nous n'avons pas aujourd'hui, cette connaissance-là, elle ne peut que venir du Coran et de la Sunna. On est d'accord ou pas? D'accord? Est-ce que nous n'avons pas? Très clairement, je pose la question. Est-ce qu'on a une autre source? Comment est-ce que la base? D'accord? Tout ça, il est du Coran et de la Sunna. Ce que les ulama et les etc. D'ailleurs, c'est l'explication du Coran et de la Sunna. D'accord? C'est que les deux sources primaires de nos connaissances religieuses, c'est le Coran et la Sunna. Quelles actions il faut faire? Comment il faut faire? Quoi il faut faire? Quoi est obligatoire? Quoi est haram? Coran et Sunna. On n'a absolument aucune autre source. D'accord? Derrière, parfois, on a certaines choses qui viennent du Coran et Sunna, qui ne doivent pas être contradictoires du Coran et Sunna, mais qui sont, eh bien, des explications que nous donne le ulama. D'accord? Il y en a quelqu'un là-bas, il me dit que moi, eh bien, ma lettre est un ilm ladunni. Ilm ladunni, le mot, là, pour dire, un ilm parallèle. Un ilm parallèle, un ilm direct entre moi et Allah. Même Abu Bakr, il n'a pas fait cette parole. Même Omar, il n'a pas dit qu'il y a un ilm ladunni. Même Osman, il n'a pas dit qu'il y a un ilm ladunni. Même Ali, il n'a pas dit qu'il y a un ilm directement de la part d'Allah. Quand je dis ilm ladunni, on se comprend. Mais parle pas qu'il y a le ulama, etc. Mais parle pas de ça. Mais parle du ilm, des règles de la charia. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a vu Allah envers, parce qu'Allah est de la même façon. Il ne faut pas croire. De la même façon, tu nous as dit tout à l'heure, djihad. On parle de djihad, d'accord? De djihad, il faut que nous fassions, eh bien, en restant dans les limites. Il ne parle pas de djihad, quelqu'un. Hein? Non, en restant dans les limites. En restant dans les limites de la charia. On se voit, quelqu'un qui arrive, qui fait n'importe quoi, qui pose une bombe et qui dit que c'est djihad, nous, on va s'élever contre lui. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les règles d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, quelqu'un qui dit faire le soufisme, quelqu'un qui dit faire les assiettes, mais qui ne respecte plus les règles d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on doit se lever contre lui. T'es dans le faux. Pourquoi? Parce que tu es en train de salir le concept. Aujourd'hui, malheureusement, on parle de soufisme et on regarde avec des gros yeux comme ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, les pratiques erronées de quelques personnes ont sali le concept de tout le monde. Alors qu'on a dit que c'est une pratique qui existait depuis l'époque du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je raconte une expérience, je raconte une chose, subhanallah. Un jour, on partait à Omra. Un jour, on partait à Omra. Allahu musta'an. Par Omra, mais bon, bonne intention, beaucoup de bonnes intentions viennent nous voir. Regardez, après beaucoup d'années, on se comprend de la gravité de l'erreur. La gravité de l'erreur. Le clair, dit, viens voir, quand on a beaucoup de bonne volonté, il dit, c'est pas Omra, oui. Pas moi directement, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Voilà. Oui. Je te donne un conseil. Tous les conseils qu'on nous donne parfois, un conseil. Est-ce qu'il y a une bonne volonté, une bonne intention dans un conseil? Il dit, encore une fois, c'est pas moi, c'est quelqu'un de confiance qui me raconte. Il dit, eh bien, le conseil que je te donne, c'est que pour arriver à Madina, c'est quoi l'action qu'on fait plus ou moins? C'est faire salari.
الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Je dis lorsque ça va là-bas. Pas besoin, j'en avais plus de termes, mais en gros, après Asa, le vendredi, pas besoin de faire ça. Et là, la curiosité. Après Asa, parce que normalement c'est un temps, c'est de l'Ouchalif, etc., etc. Après Asa, en gros, ils ont fait le temps de faire ça. Pourquoi? Je dis parce que, après Asa, tout de bien, la gravité de l'erreur au mort, etc. Après Asa, le vendredi, eh bien, le temps du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est accordé exclusivement à mon cher. Mon cher, il est en mon cher, il n'est pas là-bas, il est du Pakistan, il est du Bangladesh, il est du Maurice, il est du Réunion, tout ça. Eh bien, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après le temps pour vous, il est en tête à tête avec mon cher. Subhanallah, c'est des gens qui sont, encore une fois, comme je sais, comme un marcheur de l'air, armés d'une bonne intention. Qui l'effort, Allah, comment il avait le nom, subhanallah, faire l'effort, mais bien faire l'effort. Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est les gens qui donnent du temps, c'est les gens qui donnent des moyens, c'est les gens qui donnent de tout, mais qui sont mal dirigés. C'est les gens qui nous attristent. La Demoun, il veut pas faire. C'est pour Yahoua, il voit avec Allah, en sort d'Awa avec Allah. Mais la Demoun, il veut faire, mais il est mal dirigé, subhanallah. C'est la chose qui m'attriste le plus. Parce que maintenant, parfois, il ne le fait pas beaucoup. Il ne fait pas beaucoup. La demande il fait. La demande il fait, subhanallah. La demande il fait, il fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, on leur a enseigné de mauvaises pratiques. On leur a enseigné de mauvaises choses. On leur a enseigné le djihad, il n'y a pas besoin de suivre les règles de la charia. Tazkiya, pas besoin de suivre les règles de la charia. Le soufi, pas besoin. Non, non. Lorsque nous regardons pas de mashaïr, pas de ulama, mon tahawi, rahmatullah, il dit que le tazkiya, c'est en ce sens. Et c'est d'abord et avant tout respecter les règles d'Allah dans la mu'amalat. Une fois que quelqu'un est parti voir Imam Muhammad, rahmatullah, Imam Muhammad, c'est l'élève d'Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn Shaybani. Il dit, pourquoi on peut écrire un livre sur le cœur? Il dit, maman, écrit un livre sur le cœur. Il dit, c'est quoi le livre sur le cœur? C'est les transactions commerciales. Tu veux qu'il respecte ça? Alhamdulillah. Comment ça? Il dit, mais c'est ça en fait, c'est pas une matière à part. C'est pas une matière à part. Il faut bien comprendre que de ce cœur-là, eh bien, ça va impacter toutes les décisions qu'on va prendre le jour. C'est pas possible que quelqu'un ait dit faire de tête qui est tout neuf, qu'il y a quelqu'un qui dit être soufi, et qui, au jour le jour, fait des choses qui sont pas bonnes. Donc, quelqu'un, un jour, un chef, vous savez comment ça se passe avec un chef, il donne sa ijaza. Il donne sa ijaza, ça veut dire que vous voulez auprès de ce chef, vous faites tout l'entraînement. Vous faites l'entraînement pour essayer de contrôler les places, etc. Et à un moment donné, le chef dit, mashallah, on est capable de travailler tout seul. Et donc il y a une ijaza pour que vous travaillez tout seul dans le coin et que vous prenez d'autres personnes. D'accord? Comme un enseignant. D'accord? À un moment donné, il est en formation et qu'à un moment donné, il dit vous êtes capable maintenant d'être prof et donc on peut donner des problèmes et prendre des élèves à vous. C'est ça. C'est pas que vous êtes sur la jannah. D'accord? Mohamed Rahmatullah, il avait des étudiants. Il avait un cher qui lui a donné ijaza. D'accord? Il a donné ijaza, il a donné l'autorisation. Maintenant, on peut aller dans votre contrée, dans votre pays, dans votre village, dans votre ville. Et tu peux commencer à travailler dans ton coin, toi aussi, tu as la tête qui vient. Personne n'est pas touché. Un jour, il revient voir son cher. Il revient voir son cher avec un entrain. Il amène ce garçon. Souvent, c'est ça, ils vont me nommer dans la main, mon cher, me nommer mes enfants, tes doigts, pour lui, etc. Il amène ses enfants. Vous savez, depuis quel âge là, il croit que, allez, peut-être 7 ans, 8 ans, 8 ans, pas 8 ans. Il amène ses enfants. En tout cas, il arrive, mashallah. L'enfant, il est un peu petit pour son âge. Il a 8 ans, il est un peu petit. Il arrive, mashallah, avec ses doigts volés. Il dit, mais mon ami, comment là? Venez en train. On est en train. Et le garçon fait l'argent. Il va payer demi-tarif, plein tarif. Le demi-tarif en question. J'ai inventé un truc, je vous rappelle tous les détails de l'histoire. C'est à partir de 7 ans, c'est le plein tarif. D'accord? Après le demi-tarif, il est tiré. Il est coûte, donc le contrôleur ne voit pas. Sur le champ, en train de rahmatullah a repris la hijaz. Il a repris l'autorisation. Pourquoi? Il dit, tu n'es pas capable de respecter les règles des gens, quelles règles d'Allah se respectent-ils? Ça aussi, ça fait partie de l'islam. Ça aussi, ça fait partie de l'islam. Le fait de se dire très clairement que dans le train, là-bas, c'est pas SNCF, c'est compagnie de l'aide, on appelle ça. Railway, India Railway. Et bien, on sait que ça appartient à tout le monde. Mouadhanoui, rahmatullah, l'a indaché le décret. Mouadhanoui, c'est le mujaddid. C'est le cheikh de Mouadhan Rasulullah. C'est le cheikh de Mouadhan Al-Dawri, etc. C'est le cheikh. C'est le mujaddid, celui qui a été remis là. Mouadhanoui, rahmatullah, il a dit, Tazkiya, dis-nous comme ça, que imaginez un instant, que vous la volez. Peut-être c'est 5 roupies, 10 roupies, donc la vol 5 roupies là. Vous la volez 5 roupies, Inch'Allah. Vous la volez 5 roupies à la compagnie ferroviaire. La compagnie ferroviaire était nationalisée.
une compagnie nationale, une entreprise nationale, ça veut dire que ça appartient et vient au milliard d'Indiens. D'accord? Milliard d'Indiens, c'est un croupi divisé par un milliard d'Indiens. C'est-à-dire que le jour Qiyama, le jour du jugement, crois-moi, en traduisant ce sens, crois-moi que ce milliard d'Indiens-là, ils vont venir te voir. Il y aura un meilleur job pour le ménage. Voilà, il y a pas la main. Ce jour-là, il y a pas la main. Il y a pas la main, c'est un croupi. Parce que la règle est acceptée en montant en train, c'est qu'il va pas assez de 8 ans, il paye 10 roupies. Et ben, après, c'est un croupi. Et moi, oui. Je ne suis qu'un voleur. Tout simplement. Votre ami, Rahmatullah, merveille. Il dit que la tête qui a fait une doit entraîner ça, doit nous permettre et bien de prendre de bonnes décisions dans ce champ-là. Pas dans notre champ, pas dans un champ un peu bizarre, oui, qui n'a strictement rien à voir avec la charia. Tout ça, ce ne sont que des outils. Tout ça, ce ne sont que des outils. Allah. Deuxième chose, je dis deux points, j'arrête. Deuxièmement, c'est que la tête qui a fait une glace, un des objectifs, je vous ai parlé de quelques objectifs de la tête qui a, j'ai un peu décliné la tête qui a. Un des objectifs de la destinée, c'est, vous savez, l'émotion. On a un mot, on est une bête émotive. L'être humain, c'est une bête émotive. L'être humain, eh bien, aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Vous comprenez que c'est ce qu'il y a, quelque part, eh bien, c'est le contrôle, la maîtrise de son émotivité, le contrôle de ses émotions. Lorsque on va être celui qui est capable de maîtriser ses émotions, il deviendra sujet. Et celui qui est incapable de maîtriser ses émotions, il reste objet. Ça, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que j'en ai raconté là? C'est que, subhanallah, c'est notre vie de tous les jours. C'est pas, vous savez, là, je vois les personnes dans la masjid, mashallah, un grand dimanche après-midi, on n'a pas mangé, donc c'est bien. Tout le monde va être avec le sourire, tout le monde va être bien, mashallah. Ce n'est pas ça les éléments importants. Notre vie, elle est faite de carrefour. De faite de carrefour. Quand est-ce qu'on y a des deviants, quels seront les moments où on va pouvoir jauger quelqu'un? Nous ne jugeons pas, non. On va pouvoir jauger. C'est dans des éléments d'expression de l'émotion. C'est que nous sommes dehors, mais on est battu de tout. C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va sortir de maintenant? L'expression de mon émotivité. L'expression de mon émotivité. Vous savez, quand j'étais avec quelqu'un, un message, en plein, j'étais avec un camarade, même pas le temps sur le tour. Il sentait que le camarade l'a juré. Et elle me reçoit purée, là, je voulais le revoir, je pouvais dire. Il était obligé de parler de ça. Vous savez, ce qu'ils avaient fait, maths, torbas, terpal, etc. Le message m'a dit. Elle dit comme ça, elle vient arriver pour expliquer une chose très importante. Elle dit, non, d'accord, ça fait pas mal, d'accord, ça fait pas mal, marche. Mais par contre, c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur de quoi? Que devant moi, on est bon là, machallah, vous êtes atteint ce matin, etc., la vie de café et tout. Mais les moments d'examen, les moments d'intihar, c'est pas dans les moments normaux, c'est dans les moments d'expression de son émotivité. À ce moment-là, quoi il sort de la bouche? À ce moment-là, comment on réagit? C'est ce moment-là qui est important, comprends ou pas? C'est ce moment-là. Est-ce qu'au moment où on contrôle plus haut, dans ce moment où on n'est plus en contrôle, eh bien, comment on va agir? Parce que si, si à chaque shaitan, il attaque là-dessus, le nerf s'attaque là-dessus, il va te mettre en situation de réaction. Il te met en situation de réaction. Un des objets de la tâche qui est à cette place, c'est de savoir gérer ces moments de réaction pour les transformer en action proactive. Même lorsque tu me demandes de réagir, je suis maître de moi-même et j'agis. Et lorsque j'agis, je suis sujet. Lorsque je réagis, je suis objet. Vous comprenez ça ou pas? En fait, Allah nous donne un exemple dans un hadith en disant que c'est qui le fort? Le costaud, c'est qui? Le fort. Le fort, c'est pas celui qui tape le plus fort que toi. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Dans des moments où je suis pas énervé, dans des moments où mon âme se titille à moi, où je devrais exprimer ma colère, c'est tout l'objet de la tasse qui a tout place. Maîtriser sa colère, maîtriser le hasad, maîtriser tout ça. Je devrais, eh bien, exprimer ma colère. Et quand j'exprime ma colère, je deviens hors de moi. Eh bien, les exercices spirituels que j'ai fait pendant toutes ces années, le contrôle de moi que j'ai fait pendant toutes ces années, me permet en situation dans une situation de compétition. La compétition, c'est un fait de la fois. Mais tous les jours, c'est l'entraînement.
Parce qu'il y a tout un seul entraînement. Jusqu'au moment de compétition, c'est au moment où je suis en situation d'énervement, je reste calme. Je reste calme. Eh bien, c'est la compétition de cette esclave. Je reste calme, je ne m'énerve pas. Parce que vous savez très bien que c'est dans l'énervement qu'on dépasse les limites. Lorsque nous, on est cerclés dans le fait de s'enflammer, eh bien, on a une cellule qui s'appelle la cellule matrimoniale. On a appelé ça cellule matrimoniale parce que théoriquement, c'est pour ne pas appeler cellule à la tout simplement. Mais c'est le divorce, pour 90%, c'est l'état de divorce. Tous les cas, tout le monde qui ont divorcé et qui veut revenir, vous savez, ah, j'étais en colère. À chaque fois, on leur répond la même chose. Vous faites bien, vous êtes les conformes, grand matin, content, à chaque fois, ils sortent en cas, ils viennent en ce matin, chérie, je t'aime et je te divorce. Non, ça ne marche pas comme ça. À chaque fois qu'il divorce, il est en colère. D'accord? La colère, il compte. D'accord? L'objet de la tête qui est une menace, c'est que justement tu sois proactif dans la gestion de ta colère. Que tu sois proactif, que tu puisses, au moment où tu devrais exploser, eh bien tu n'exploses pas. Parce que tu as appris à te contrôler. Et comment on fait ça? Comment on fait? Il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent. Shaitan, il arrive. Le nas, il arrive. Allah subhanahu wa ta'ala. وعباد الرحمن سكي عباد الرحمن سكي لزياد بسيد الكريمون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ناشو يطير يقوم بجميلته وإذا خاطرهم الجاهلون لوسك الجاهل لوسك لتنيا رد أكوليني لوسك لرد يبعد يسرني نو جنرال كوف 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 يولا نو جنرال va réagir c'est lui qui aura mené l'agenda celui qui aura décidé c'est mon interlocuteur qui aura décidé c'est le nefs qui aura décidé c'est Shaitan qui aura décidé Shaitan il me tient à la baguette avec les commandes. Aujourd'hui il me décide que les abdos s'allèrent. Aujourd'hui il me décide que ça reste, ça restera. D'accord? Et bien l'objectif pour nous c'est de reprendre le dessus là-dessus. C'est de reprendre le dessus. Au moment où il y avait les îles, le jahil il y avait. Donc quand Allah utilise le mot jahil, on est un khatama comme un jahil. Lorsque le jahil était en train de haut, il y a qalu, salam. Nous allons, salam alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui je ne te répondrai pas en fonction de ce que toi tu veux. Salam, salam alaikum, bye bye. Je ne suis pas capable de te répondre, bye bye, et je pars. Parce que je n'ai pas envie que toi, tu maîtrises mon agenda. Je n'ai pas envie que, eh bien, je sorte, je commette une injustice en sortant des limites à cause de toi. Et comment j'ai fait pour en arriver à ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. C'est à force d'exercice spirituel, c'est à force de travail sur toi, on arrive à ce niveau-là. Allahu a'lam. C'est quoi des exercices? C'est quoi? Je terminerai là-dessus. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des outils. Des outils de tazkiya. On a des outils, et comme dans la maladie tous les jours, on a une trousse de secours à la maison. Elle a une pharmacie, d'accord? Elle a de l'aspirine, l'aspirine, la maladie, comme ça. Nous, on sent, quand ils mangent pour la dope, comment on appelle ça? Elle a l'estomac là, de l'homme. Alors, la personne, on va oublier. Tout ça, elle a la maison, d'accord? Ce sont des outils qui existent à la maison qui sont. Généralement tout le monde. Et ensuite, on a parfois des maladies qu'on n'arrive pas à voir, ou des maladies qu'on n'arrive pas à soigner, et là, il faudra aller voir et bien les médecins. De la même façon, dans les maladies intérieures, c'est exactement la même chose. On a des outils qui sont là à notre disposition, il faudra absolument les utiliser. Et dès qu'on le voit, le zikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le zikr d'Allah, dua avec Allah, le Qur'an et la fréquentation, le cercle d'amis qu'on a. Vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça veut dire que ça ne va pas l'arrêter. Oui, mais à un moment donné ou à un autre, eh bien, c'est soit toi qui pars dans ta direction, soit lui qui vient dans ta direction. Je demande où est le dîner Khalif. Insane, il est sur le dîner, tu fréquentes rien. Donc on ne fait pas la masse, tu fais des satisfactions à sa restaurant, mais un jour on va dire, je fais la masse, peut-être la masse. À un moment donné, vous oubliez, vous faites la masse, vous prenez la masse pour rentrer à la soir. Par contre, si vous ne faites pas la masse, vous ne faites pas encore la masse, vous fréquentez le monde, il fait la masse. Eh bien, maintenant tu es tous à un restaurant, de 600 000 lettres. Eh bien, ça c'est la masse, à où tu es ensemble. On va prendre de bonnes habitudes. Eh bien, tout simplement, le cercle d'amis est important. Tout ça, toutes ces choses-là, et encore plus simple, tout ça, eh bien, fréquentation à la masse, pas d'aoulia, etc., ce sont des outils qu'on a à la maison. Et parfois, on a des maladies plus insidieuses, des maladies que nous ne comprenons pas, des maladies que nous n'arrivons pas à voir, des maladies que nous. Vous savez, nous en avons assez en nous, nous en avons le kibre en nous. Mais là, tout ça en nous, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à soigner. À ce moment-là, il faudra, de la même façon qu'on va chez les médecins là-bas, et bien il faudra aller chez les médecins ici. C'est qui les médecins ici? Ce sont les ulama. Et qui les médecins ici? Ce sont les mashayikh. Ce
soit les chouyours, que ce soit les gens, il y a une pratique, et il y a une raison de la tête, pas la guérir, c'est Allah qui guérit, et qui nous donne des outils pour essayer de nous guérir. Allahu a'lam wa sallam. Encore une fois, je résume en disant que tazkiyatun nafs doit respecter les règles de la sharia. Dès que tu vois quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la sharia, pécheur, tout le monde est pécheur, hein? Tout le monde fait péché. D'accord, il ne faut pas s'attendre à quelqu'un qui ne fasse pas péché. Si on considère qu'il y a un homme qui ne fait pas péché, il y a un problème dans notre iman. D'accord. Mais quelqu'un qui respecte globalement les règles de la sharia, quelqu'un qui respecte globalement les règles de la sunna, quelqu'un qui ne fait pas ouvertement les péchés, quelqu'un l'avant de namaz, quelqu'un qui écoute la musique, etc., ne peut pas être un ange. D'accord. Et donc, fréquenter le ulama, etc. Donc, ça doit, pardon, la siyatun nafs doit respecter les règles de la sharia et la siyatun nafs doit nous permettre à terme de respecter les règles de la sharia, de progresser les règles de la sharia. Inch'Allah, donc c'était juste une question d'introduction de la siyatun nafs, beaucoup plus de choses à dire pour bien comprendre que c'est extrêmement important, malgré tout ce qu'on dit, Allahu a'lam, malgré toutes les délais qui existent aujourd'hui de par le monde, mais c'est extrêmement important. Ça a été pratiqué par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur les Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Donc vous voyez, dans votre ville déjà, ou dans votre ville, vous pouvez trouver avec les ulama sont formés pour, si parfois on voit qu'on a des maladies spirituelles, parfois on pense que les ulama sont là pour ça, dans notre ville, après d'autres personnes qui sont spécialisées dans Allah a'lam, si on veut rester ici, dans notre masjid, au niveau local, vous voyez, avec les ulama, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont nous donner la posologie, qu'est-ce qu'il faudrait faire, de manière générale, mais aussi parfois adapté à notre situation. Si on ne comprend pas, et parfois, on peut les erreurs. Inch'Allah, fais du'a, Inch'Allah, et puis je vous laisse partir. Bon. Allahumma laka alhamdu kama hadaytana bil Islam ولك الشكر كما علمتنا الحكمة والقرآن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من صدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم ولا تجعلنا معهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والله تفضل يا رحمن الله يا رحيم يا الله تفضل بشيء يا الله يا الله تفضل بشيء يا الله يا الله بشيء بكل اسم يا الله بشيء بكل اسم منفى يا الله بشيء بنزمون في الدنيا يا الله بشيء بنزمون من في الدنيا يا الله بشيء بنزمون من هون يا الله بشيء بنزمون من بيتي يا الله يا الله تفضل من كل بشيء يا الله يا الله لا تفضل بشيء ولا تفضل من رمضان يا الله يا الله من يا الله سور الشام يا الله تفضل بشيء يا الله تفضل بشيء sortir de notre majlis, ya Allah, sans péché, ya Allah, les péchés, ya Allah, physiques et les péchés spirituels, ya Allah, ya Allah, pardonne-nous tous ces péchés, ya Allah. Malheureusement, des fois, nous croyons que, eh bien, le cœur ne commet pas de péché, ya Allah. Le pire des péchés, ya Allah, sont commis par le cœur, ya Allah. Donc, la compréhension de ces choses-là, ya Allah. Ya Allah, pardonne nos langues sont bielleuses, ya Allah. Ya Allah, mets la lumière dans le cœur, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mets la lumière dans le cœur, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, enlève toutes les mauvaises pensées de le cœur, ya Allah. Ya Allah, enlève toutes les mauvaises choses de le cœur, ya Allah. Ya Allah, guéris notre cœur, le cœur, ya Allah, de l'Ifaq, ya Allah. Ya Allah, guéris le cœur, ya Allah, de l'Iyad, de l'Espantation, ya Allah. Ya Allah, guéris le cœur, ya Allah, de l'orgueil, ya Allah. Je dis pas même, ya Allah, que celui qui a un atome d'orgueil, ya Allah, ne rentrera pas dans le paradis, va aller dans l'enfer, ya Allah. Ya Allah, protège-nous, ya Allah. Ya Allah, protège-nous, ya Allah. Ya Allah, protège-nous de ces choses, ya Allah. Ya Allah, protège-nous, ya Allah. Ya Allah, déverse la hidaya, ya Allah, dans notre zid, ya Allah, le monde entier, ya Allah. Ya Allah, donne-nous la véritable compréhension du livre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah. Ya Allah, enlève les difficultés, ya Allah. Ya Allah, enlève les chamailleries, ya Allah, entre nous, ya Allah. Par contre, sans entendre entre nous, ya Allah. Ya Allah, enlève tout ça, ya Allah. Ya Allah, enlève les inimitiés entre nous, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, parfois c'est suite à des incompréhensions, ya Allah. Et ya Allah, parfois c'est suite à des vérités, ya Allah.
malgré tout, donne de la compréhension, ya Allah, de la nature de cette dunya, ya Allah, et de la nature illimitée du monde qui nous attend, ya Allah. Ya Allah, fais que nous puissions vivre sereinement, ya Allah. Fais que nous puissions construire notre relation avec toi, ya Allah. Ya Allah, fais que nous puissions utiliser ce mois de Ramadan, ya Allah, pour avoir une relation plus saine, plus construite, plus profonde avec toi, ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, ya Allah. Ya Allah, donne-nous le respect des ulama, ya Allah. Ya Allah, enlève le cœur, ya Allah, toutes mauvaises choses contre les ulama, ya Allah. Ya Allah, les ulama, ya Allah. Ya Allah, les ulama sont les héritiers des prophètes anbiya, alayhi salat wa salam, ya Allah. Ya Allah, fais que nous puissions les respecter, les ulama, comme ils se doivent, ya Allah. Ya Allah, honore les ulama, ya Allah. Ya Allah, honore les ulama, ya Allah. Ya Allah, honore les ulama, ya Allah. Ya Allah, tu es pardonné, ya Allah. Ya Allah, tu es rahman, ya Allah. Donne-nous une saine compréhension du din, ya Allah. Ya Allah, parfois on veut faire de bonnes choses. Shaitan, il y a même ça, il nous attaque, ya Allah. Parfois on veut faire des tasbiyah. Parfois on veut faire des tasawwuf, ya Allah. Mais on a une mauvaise compréhension parce que je commence à croire que je suis meilleur que les autres, ya Allah. Dans mon cœur, ya Allah, il y a des mauvaises choses, ya Allah. Parfois je veux faire des bonnes choses, ya Allah. Je commence à croire que les mauvaises pratiques sont les bonnes pratiques, ya Allah. Donne-moi la bonne compréhension, donne-nous la bonne compréhension, ya Allah. Ya Allah, et enlève les mauvaises choses de mon cœur, ya Allah. الله اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Juste avant que les Allah pardonne, demande pardon que Allah l'a rencontré. D'accord ? Mais excusez-moi, je prends deux minutes, c'est extrêmement important, je vous dis comme ça. Maladie du cœur, ça est mortel. Maladie du cœur est mortelle. Vous savez, dans deux hadiths, un hadith, c'est comme ça. Parce que souvent, on a du mal à comprendre ce hadith. C'est comme ça que quelqu'un, il a même un immense date. Et que tu as voilà où je suis prêt à marcher. Protégez-vous du feu de l'enfer avec un immense date. Alors, entendu ou pas ? Alors, t'as fait ça, tu vas prendre les tas ici. Est-ce qu'il y a ici ? Protégez-vous du feu de l'enfer, même en donnant un petit morceau de date. Ça, c'est un hadith. Dans l'autre hadith, il dit il a donné beaucoup en charité le jour du jugement, il appelle Ali et il jette Ali dans le fin fond de l'enfer. Vous avez entendu ça ou pas? D'accord? On a toujours posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? Et la première personne, il a donné un petit morceau de date, mais avec ikhlas, avec sincérité. Il a réussi à corriger son cœur, il a donné pour Allah et pour Allah. Et l'autre côté, il a donné pour peu, des millions et des millions il a donné. Le jour du jugement, il s'appelle Ali. Où il a fait donne chemin à Allah, madame sa masjid, madame sa darou, madame sa l'époque, etc. etc. Où il a fait pour qui? Dans votre cœur, quelque part. Est-ce qu'on a des points ce truc-là? Le mot de la cité, il est chien. Vous avez quoi cette intention-là? C'est appelé ostentation. Un comportement ostentaire pour faire voir. Vous avez quoi ça dans votre cœur? Lui, quelque part, l'a fait. Il a eu ce qu'on a fait. Vous t'es fait ça, regardez. Je suis à terre, on a battu deux. Inch'Allah, ça va être gêné. Et maintenant, c'est la même. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, c'est la qualité du cœur. La chose qui a généré l'action. Un, c'est la sincérité. Et deux, c'est l'ostentation. C'est pour ça que je vous dis que les défauts du cœur sont mortels quand ils vont travailler. Alors, on va faire le darwana. Alhamdulillah, on va faire le darwana.